Tu sais qu'on a une affection particulière pour toi en France parce que tu travailles avec les Daft Punk et évidemment, on les aime beaucoup ici. Est-ce que les gens continuent de te demander comment ils sont sous leur casque? Yeah, France likes you specifically because you've worked with Daft Punk, who are French and who we love too. Do people keep asking you what they look like without their helmets on? Yeah. Oui, on lui demande. Yeah. Nous, ça a été le coup de foudre immédiat entre vous? Was it love at first sight, so to speak, between Daft Punk and you? Creatively? Yeah. It's always love at first sight with all musicians. Like you either love what they do or you're not moved by them and nothing happens. Sur un plan créatif, c'est soit on adore un musicien et effectivement c'est coup de foudre, soit il se passe rien en fait. Et alors justement, ils sont présents sur cet album, le titre est énorme. C'était pour toi une façon de leur rendre l'appareil par rapport à Random Access Memories? They're also present on this album. Was it sort of a way for you to give back for Random Access Memories? No way. It was totally because the song called for the robots. Non, c'est parce que la chanson exigeait que les robots soient dessus. It needed those like rainbow harmonies under the chorus. La chanson avait besoin de toutes ces harmonies en arc-en-ciel. She's amazing, by the way, the song. Yeah. Yeah. You like? Ah, yeah. Thank you. I described like when they. Sorry, I'm sorry, babe. When they're singing, it feels like they're singing under my voice. It feels like beautiful rainbow clouds. Un peu de nuages like, dans un arc-en-ciel lorsqu'ils chantent. 8-bit Atari version though. Ah, c'est vrai. Like un it's peu digital. Atari, quoi, ouais. C'est un peu digital, quoi. You know, it's like rainbow Atari clouds. Des nuages Atari arc-en-ciel. Il y a aussi un duo avec Miley Cyrus. Est-ce que tu aimes son côté provocant? Est-ce que pour toi c'est vraiment une fille qui représente les filles d'aujourd'hui? There's also a duet with Miley Cyrus. Mm-hmm. Do you think she represents girls today, even with the whole provocative thing she has going? I think Miley just has like a very different story. Like her story is like she's a girl from Nashville that grew up, you know, on a Disney TV set for ouais, most of her life. Nashville, so she's now like Disney. She's now figuring out, like, she know she's always known who she was, but she's now figuring out how she wants to do things, you know. Elle cherche un peu, elle cherche à savoir comment elle veut faire les choses. So she's like, you know, she's just alerting the world at, like, you know, how she feels today. Ouais. Tomorrow, she may feel different. Elle alerte le monde sur la façon dont elle ressent les choses, et puis demain, ce sera sûrement différent. You know, she's a sad, so she's always changing and always wishing for betterment and working towards, like, you know, her own evolution. Elle change sans arrêt et donc elle est constamment en évolution.